maintenant en France et latin d'abord. Il y a comment entendre ça? C'est quoi la blague? Moi, je vais répondre en français pour être sûr de mes mots. Aujourd'hui, s'il y a des candidats, normalement, imaginez-vous le sélectionneur national. Donc, en fait, le sélectionneur national, c'est un entraîneur. Ou un moudarrib. Normalement, il n'a pas à parler de tout ça. Mais bon, c'est ainsi fait chez nous. On mixe un petit peu tout. Mais je vais répondre à ça une bonne fois pour toutes. Si un président de un candidat présidence de la fédération un futur candidat, il s'occupe déjà de poser son programme, ce qu'il a envie de faire. Il a iqana al-nas, c'est entre lui et les gens qui sont censés voter pour lui. Mais je pense pas que l'entraîneur là-dedans rentre en ligne de compte. Aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, moi, pour que les choses soient bien claires, c'est que je travaille, nous travaillons, parce que je ne suis pas tout seul, nous travaillons, que ce soit les joueurs avant tout, c'est toujours les joueurs qu'on met en avant, mon staff technique, mon staff médical, l'administration qui est autour de nous, parce que sans une administration, on ne peut rien faire aussi, tout ça, on travaille d'une même... en tout cas, on pousse dans la même direction. Et très facile pour moi de dire, quand je suis mécontent, j'ai pas de souci à le dire, mais quand les choses vont bien, il faut le dire aussi. Donc si aujourd'hui il y a des résultats positifs de cette équipe nationale, c'est le travail d'un ensemble, c'est pas le travail ni d'un entraîneur, ni que des joueurs, voilà que ça marche, donc, ni que des joueurs ou ni que l'entraîneur, c'est tout un ensemble. Et moi, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que le plus important, c'est de parler si certains ont envie de se présenter à la fédération lors de ces prochaines élections, qui parlent d'abord d'un programme général, qui ne mettent pas l'entraîneur. Je ne veux pas, moi, être une pièce sur laquelle une carte à jouer, sur laquelle on masquerait justement un programme. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui.